Moi, c'est Kylian Salin. Donc, j'ai fait un BTS études d'économie de la construction. Et pour faire un cursus très général en me réorientant, je suis parti vers une école de commerce qui me laissait un peu plus de temps pour me spécialiser. Maintenant, je suis en alternance au sein de Thales à Gennevilliers et je suis project manager. Avant d'arriver à Brest Business School, j'ai réalisé un BTS fluide énergie domotique. Donc je me suis renseigné un peu parce que je voulais avoir une double compétence, c'est-à-dire technique et aussi à la fois commerciale. Et c'est pour ça que je suis venu vers BBS. Actuellement, je suis à Thales en alternance. Je suis à la réalisation de devis, donc ça veut dire que je suis au contact des managers, donc on les appelle les BIN managers. Au quotidien, du coup, ils nous font parvenir des fiches en fait qu'ils récupèrent au sein des différents services, production, service test, etc. Et derrière, nous, on doit chiffrer la prestation. Moi, j'arrive après la phase de devis qu'il réalise. Donc après la phase de devis, il y a la négociation avec le client pour réaliser l'offre commerciale. Et ensuite, une fois que le contrat est signé, je suis le projet. Ça permet de financer l'école, d'avoir un salaire, d'acquérir de l'expérience professionnelle et en plus d'obtenir un diplôme à la fin. Alors, pour ma part, c'est du coup Monsieur Pascal Régnier qui nous a bien aidé, hein. Moi, je dois avouer que mon CV, j'avais eu aucune information concernant un CV. Il s'est montré à l'écoute quand je lui ai demandé un rendez-vous. Et ensuite, on a élaboré un CV avec son expérience. Et faut dire que ça m'a bien aidé là-dedans. Comme Sébastien, moi c'était avec Bénédicte Legal et Pascal Régnier qui ont pu suivre mon projet professionnel et valider mon CV avant de commencer à postuler. LinkedIn parce que ça c'est de là que j'ai trouvé, mais il y a également aussi Welcome to the Jungle, il y a aussi APEC, job teaser aussi assez intéressant là-dessus. Rien de plus à dire, peut-être Indeed.